Bonsoir, grande douceur aujourd'hui à Toulouse avec des températures qui ont atteint 17 degrés grâce notamment à un vent d'autant encore sensible qui a soufflé jusqu'à 70 km/h. Demain, il va faiblir, mais le temps s'annonce plus nuageux en raison des intempéries méditerranéennes. En effet, un épisode pluvieux orageux se met en place en Méditerranée. Les Pyrénées-Orientales et la Corse sont placées en vigilance orange à partir de cette nuit pour de forts cumuls de pluie attendus. Le temps se dégrade dans le sud-est sous l'influence d'une dépression circulant de l'Espagne vers la Méditerranée. Les intempéries gagnent progressivement le Languedoc-Roussillon et la Corse alors que le temps reste anticyclonique sur le reste de la France. Les températures demain matin resteront bien fraîches avec quelques gelées dans le nord-est. On attend 0 degré à Mulhouse ou Dijon. Il fera 4 à Lille, 6 à Paris et 13 autour de la Méditerranée. Demain matin, on retrouvera de fortes pluies orageuses qui vont se maintenir encore sur le Roussillon et l'est de la Corse avec du vent d'est qui va se renforcer. Le vent d'automne soufflera également. Entre les Alpes et le Pays Basque, le ciel s'annonce nuageux. Plus au nord, les conditions seront calmes, mais les nuages bas et les brouillards seront nombreux et parfois longs à se dissiper pour laisser place au soleil. L'après-midi, la situation ne change pas. Il continuera de pleuvoir sur l'Aude, les Pyrénées-Orientales et l'est de la Corse avec des cumuls de pluie sur l'ensemble de l'épisode pouvant atteindre ou dépasser les 200 mm aux endroits les plus exposés. Le vent d'est va se renforcer ailleurs. Le soleil s'imposera, petit bémol, du côté de la Manche et de la plaine d'Alsace où la grisaille persistera. Les températures seront douces dans le sud. On attend 18 à Marseille, 15 à Toulouse, il fera 10 à Lyon et 5 à Strasbourg. La suite, les conditions anticycloniques vont se rétablir rapidement et les intempéries vont cesser en Méditerranée dimanche avec un mercure qui va chuter dans le nord. Le froid va gagner du terrain lundi avec toujours du soleil sur l'ensemble du territoire, mais les nuages arriveront par le nord-ouest. Le temps va changer mardi avec une nouvelle perturbation pas très active qui va traverser le pays avec de nombreuses gelées matinales. Ensuite, on part sur un défilé de perturbations. Mercredi, on sera entre deux fronts avec des valeurs dignes d'un mois de décembre, donc assez froid. Jeudi, de nouvelles pluies arriveront sur le nord-ouest de la France. On les retrouvera vendredi, donnant un temps bien perturbé entre les Pyrénées et la façade est et des températures proches des moyennes de saison. Ce soir, à partir de 21h, ne manquez pas un épisode inédit de votre série NCIS. Très belle soirée à tous sur M6 et à demain.